différents pays de la sous-région. Le magazine Limoula Ulundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Go Moula Ulundi. Bonsoir à vous chers auditeurs, bienvenue à ce magazine d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Vous nous captez en onde courte dans la bande de 19 mètres à 15 480 kHz de fréquence tous les jours de 20h à 21h, heure de Bujumbura. Mais vous pouvez également nous suivre via notre site web www.rpa.bi. Dans quelques instants, les grandes articulations. Burundi enregistre aujourd'hui environ 1000 personnes enlevées ou portées disparues. À cette date, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes disparues. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH, attribue une part de responsabilité au corps de défense et de sécurité. Quant aux familles des victimes, elles ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un désespoir grandissant au sein de la population burundaise. Le dossier de l'envoi des 228 policiers promis par le Conseil de sécurité des Nations Unies semble être jeté aux oubliettes.